tout le monde et coucou la rediff. Attendez, le son il est beaucoup trop fort là, encore une fois. Ah, coucou Spectra. Ah, on a des petits résumés comme dans Dragon Quest. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais perdu ma sauvegarde. Ouf. Je la trouve encore un peu trop fort le son du jeu, moi. Je suis désolée, mais ça me donne mal au crâne. Alors, du coup... Oh, c'est un tout petit résumé. du coup, je sais plus où on en était. je venais d'aller là-bas, déjà. Ah oui, non. Il me fallait mon arc. Oh là là. Ah oui, ne pas me faire tuer par... Ok, attendez, on se calme. Hein. Aïe, 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 aïe. Ça commence direct en mode pouf. On se calme. Hein. Ah, ah. Oh my god, je vais mourir. Oh non. Il m'a tout fait rater. Ah, attendez. Il y a du bruit à côté et il y a la porte qui est ouverte. Hop. Pouf. Eh non, mais direct, ça commence en mode oulala, 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 quoi. C'est ça. À deux heures, se prendre une claque. Et encore, c'est. En fait, ce qui est galère, c'est ce truc, mais je peux pas l'atteindre, donc je peux même pas lui mettre de dégâts normalement. Ah si, je peux. Et si je foutais le feu? Ah non. En fait, je peux pas. Ça passe pas. Attendez, parce que il me. J'ai plus d'énergie. Ok. Non, mais en fait, j'arrive pas à mettre dans le bon sens et à esquiver ces trucs. Donc là, c'est bon. Après, je recours, je recours, je recours, je recours. Il va finir par se calmer quand même. C'est bon, t'es calmé? Non, t'es pas calmé. Oh là 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 là, mais c'est catastrophique. Oh, il y a ces lianes qui me... Mais c'est quoi ça? C'est pour me montrer quoi? À l'aide. Je sais pas à quoi ça sert d'être ici. On va repartir. Hein. Peut-être que j'aille de l'autre côté débloquer un truc, sinon... Ah non, c'était ça, c'était vers le haut les deux. Il me semble. Donc du coup de l'autre côté. Mais j'arrivais pas à le. Ah si, je devrais pouvoir lui faire du mal à l'arbre alors. J'arrivais pas à lui faire des dégâts. On va réessayer. Si je lui balance une bombe, sinon. C'est bon. Bon, du coup, les trucs là-haut, c'était en haut et en haut. Oui, oui, je sais que c'est une quête, mais en fait, je pensais qu'en montant de ce côté-là, je pouvais lui tirer dessus parce que j'étais pas à la bonne hauteur là, mais en fait, si. Hop, 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 hop. Ah, ils sont pas restés en haut et en haut, donc faut que je retienne. Ou alors, attendez. Le petit calepin des lives. Hop, et le petit stylo. Le stylo, là. Je vais mettre en haut. Ah oui, j'ai pris un marqueur. Non, mais n'importe quoi, moi. En haut, en haut. Comme ça, je note que visiblement, ça redevient... Oh mince. Non, je vais mettre l'arc, là. Et de l'autre côté, du coup, ça avait dû les changer aussi. Ah non, c'est le même problème. Hops, 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 hops. Moi, j'attaque tout à la bombe, moi. Aïe, aïe, aïe. Cool, ça y est, on les a tous eus.
Lily était parvenue à libérer tous les esprits sylvestres emprisonnés par la ville magie. Dieu Crocus, les seigneurs des arbres, lui, en serait très certainement... Oh, j'arrive plus à lire. Très reconnaissant. Il n'y a pas assez de mots dans les bulles, ça me perturbe. Alors, du coup... Ok, et là on aura les deux derniers machins là. Donc celui-là c'est côté gauche. Attendez, je me le note. Pas si j'y arrive, voilà. Et... non. Et côté gauche, ok. Ça va, c'est pas trop compliqué en fait. Le son du jeu est toujours trop fort ou pas par rapport au dernier stream, parce que finalement la dernière fois j'ai trouvé qu'il était vraiment trop fort. Je peux encore le baisser s'il faut. Gauche, haut et haut. Aïe, non mais ça c'est dégueulasse. Oh. Jeu qui abuse du fait que je ne puisse pas voir ce qui se passe. Du coup, on est là. Il n'y a pas des petits trésors. Oh, un petit point de téléportation. C'est bon, ça. La jeune guerrière marchait le long des anciennes statues tandis que le clapotis de l'eau se faisait entendre dans toute la pièce. Oh, ça sent le combat de boss. Commence direct comme ça alors que je viens juste de commencer le stream. Ok, pas de soucis. Allons-y. Étrangement, elle savait que le trèfle théorique n'était guère loin. C'est alors qu'elle l'entendit. Boum, boum, boum. En effet. Salut ! Oh. Un ancien golem animé par une magie antique tapait le sol de ses poings furieux. Tous les intrus doivent être détruits. Ah, oups. C'est quoi qu'il faut taper ? C'est ses mains ? C'est quoi ? C'est sa tête ? Je sais pas, je crois que c'est... Mange ma bombe! Ah oui, c'est ça, visiblement. Mange ma bombe! Ah, c'est quand il ouvre la bouche, je peux lui faire manger la bombe. Oh, attendez, le chat qui va me gonfler pendant tout le live, je crois. Parce que le problème, c'est que comme on est dimanche, il y a ma petite sœur dans sa chambre et du coup elle fait du bruit et du coup faut que je ferme la porte. J'ai des popos de soins en cas où, faut que j'y pense à ça surtout. Mange la bombe. Oh bah oui, bah oui. Pourquoi pas. En plus il se marre. Ça marche plus ça. Oh là là. J'attendais de récupérer toute ma stamina. Qu'est-ce qu'ils font? Tranquille, 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 on a le temps, on a le temps, on a le temps. Il s'arrête plus là. Est-ce que je peux mettre des dégâts? Non, c'est que à l'arc. Hein. Et boum! C'est très fort dans mes oreilles, mais boum! Ouf! Ah d'accord, ok. Ah ouais, carrément, ramène-la! Pourquoi pas? Je t'en prie, jeune chevalier, nous insistons à ce que nul ne nous interrompe pendant que nous prenons soin de notre roi endormi.
Je suis venue vous donner l'un des ingrédients du remède. Et boum, je suis trop forte. Je croyais que les recrues n'étaient pas censées quitter le château. Ce trèfle féerique nous sera fort utile. Excellent travail, recrue. Ayant prouvé ta bravoure et tes capacités, nous te demandons d'assister les chevaliers de la rose en partance pour les cavernes bouillantes. C'est là-bas que se trouve le prochain ingrédient, le vieux muflier. Il se peut qu'ils aient besoin de l'aide d'un formidable jeune chevalier de ton calibre. Bonne chance. Mais oui. On n'a pas le temps là. On célébrera quand le roi sera guéri. Il va falloir que je retourne voir les autres quand même, parce que j'ai fini la quête des arbres. Bon, les marais hurlants, le sud. Mais d'abord... Oh mince, je dépose des bombes dans le château, je vais me faire arrêter. Alors du coup je voulais aller au Havre. D'ailleurs j'avais une quête. Attendez. J'ai une lettre en bas là à déposer mais je sais plus à qui. Le problème c'est que va retrouver ça là-dedans là. Ouais, je veux même pas aller assez loin. J'ai une quête pour quelqu'un ici, hein, mais je sais plus qui. Il me semblait que c'était ici en tout cas. Je cherche hein, parce que je vois plus à qui c'était. Il me semble que c'était ici hein, mais comme j'ai pas forcément parlé à tous les PNJ. Un pot de soupe aux champignons. Bah, si j'ai ça un jour je lui donnerai. Ce qui dit que c'est un artefact sans valeur, mais en fait je suis sûre que c'est un truc de fou. J'ai été dans celle-là, je sais plus. Je crois que oui. Ben ça y est, on est perdu. Hein. Ah, c'est elle. Ok, il faudra que je retourne à la poste après. Et les grands arbres géants, je sais plus où il était. Je sais plus, peut-être... peut-être par là. Le seul truc qui pose problème, je trouve, dans ce jeu, c'est qu'on n'a pas réellement de rappel des quêtes. C'est un petit peu démerdez-vous et on verra bien. Parce que là, le truc, c'est que... Au niveau de la carte, je dirais bien que c'est le carré du milieu à gauche. Faut qu'on vérifie, hein. J'arrive à sortir de là. Oh, je vais ressortir la pelle aussi. Ouh!
J'avais été dans ce trou, mais est-ce que j'avais pu finir totalement ou pas? Parce que j'avais pas d'arc. Je me souviens, il y avait un truc avec un arc. Si, celui-là, j'avais pu le faire parce que j'ai récupéré le coffre, donc c'est bon. Comment on sort comme ça? Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille, j'ai la flemme. Je trouve encore que la musique est trop forte, hein. Je suis désolée, mais... C'est pas ici? Ah si. Se dissiper l'influence maléfique de Crocus sur les esprits sylvestres. Elle est trop forte la musique encore. Hein. Ça se trouve c'est moi qui a du mal, mais je vais baisser encore un petit peu le son. Très légèrement. Oh! Ça c'est cool. Du coup il manque plus qu'un. Bah... mince, c'est pas ça que je voulais mettre, c'était ça. Ce qu'on va faire, c'est retourner à la poste, parce qu'il va sûrement me donner une lettre pour le prochain monde. Poussez-vous, poussez-vous. Et après, on ira au sud du château. Ces esquives que je lui mets au pauvre, là. Je sais qu'il y avait un trou dans le coin, mais c'est pas grave, je verrai une autre fois. Alors, du coup... Salut, salut! C'est qui lui? Oh, je croyais que c'était un mec spécial, il avait l'air bizarre. Alors. Prochaine livraison. C'est pour le bûcheron qui s'appelle Bu et son nom de famille c'est Cheron. Aha, aha. Au sud du château, voilà. Allons-y. Je suis une tueuse de papillons. Oh, mais il y a un truc là à creuser. Cool. J'en ai pas encore eu de l'utilité, mais c'est vrai que j'ai pas encore tous les ingrédients. Il faut le lingot d'argent, mais ça, le lingot d'argent, il y avait pas un mec qui le vendait? J'ai un doute. Je crois qu'il y avait un mec qui le vendait vers là-bas, là, mais je sais plus où. Parce que je crois que j'ai rien pu lui acheter au vendeur de cette zone-là. Oh, je peux essayer d'aller voir vite fait. Hein. Après, je sais plus c'était combien. Me semble que c'était par là. Ha 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 ha.
Attends, parce qu'elle vient quand même, l'araignée, là. Ah mince, j'ai acheté une potion de santé, c'est pas ça que je voulais lui acheter. Donc non, il vendait pas ça. Bon, bah let's go, direction le sud. Ouais. Il faut que je trouve un bûcheron qui s'appelle Bûcheron. Je peux pas aller plus au sud? Bah c'est pratique tout ça. Qu'est-ce qu'elles avaient dit? Une cape vers le sud du château. Ouais, mais là, j'étais vers le sud et... Et je vois rien de particulier. En plus là je regarde un petit peu les routes, elles sont pas très bien dessinées, mais après ça part directement à l'est. Je vais essayer de remonter et aller à l'est. Pardon, je dis à l'ouest. Enfin, je me suis emmêlé les pinceaux, mais. Bref. On va essayer d'aller par là-bas. Ah bah voilà, Marie-Hurlant, c'est par là. Donc c'est pas au sud, qu'est-ce qu'il raconte lui? Perds la boule, papy, hein. Oh, c'est le camp des bandits. On va se battre encore. Alors, aux grandes dames de Lily, un camp entier de bandits la séparait des Marie-Hurlant. Ils doivent garder tout leur butin là-bas, c'est sûr. Les planques des bandits sont toujours bourrées de sacs d'or. Ouais, il nous faut l'arc. Je vais juste vite faire le tour, voir s'il n'y a pas autre chose. Ah, je peux descendre encore. Ah, la carte, ça clignote en jaune. Ah, moi, j'avais pas vu, moi, tu vois. Merci. Baston. Oups. Tout détruire chez eux, récupérer tout l'argent. Oh, j'ai tout cassé. Bon, les tentes, on peut pas les péter et ça non plus. Ça se casse pas. Moi je casse tout là. Mon tapé et tout mérite. Hein. Plus si jamais il y a de lingots d'argent à acheter pas très loin là et qui va me coûter cher, au moins j'aurai de quoi faire. Oula, boum, ok. Oh, c'est pas vrai. Arrête de bouger. Allez, viens. Vas-y, viens. Tac. Ça va se refermer derrière moi, ça. Non. Lily s'approchait du pont parfaitement conscient du fait qu'il s'agissait d'un piège. À cet instant apparut le chef des bandits. Bah, évidemment. À la reine des pirates. Bandit ninja? Ah. Reine des... Ok, d'accord. Ah, il faut que je choisisse par qui? Oh, la reine des pirates. Halte là, Maradodus. Ce pont-là nous appartient et si tu passeras, ça sera sans ta tête, la belle.
Bon bah gros baston. Hein. On va lancer des bombes. Oups, ça c'était une mauvaise idée. Ah attends, mais elle a déjà atterri sur moi, c'est dégueulasse. En plus elle me lance son perroquet. Tiens, mange. Elle fait mal, hein. Ah, je peux lui balancer des trucs que je ramasse, ok. Oh, il y a un cœur. Ah. Cool. Du coup, j'avais eu tous les quarts de cœur. Donc, je suis censée aller à droite, mais j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a en haut et en bas. C'est toujours le camp de bandits, visiblement. Ouh là, il y a plein d'argent là. Enfin, il y a plein de coffres. Je veux ça, moi. J'ai détruit le bouclier de mes potes qui sont décédés. Je suis une horrible personne. Ça se détruit ça aussi? Non. Je vais tout casser moi. Ça valait le coup hein. De venir se balader par là-haut. Bon, ça décore juste. Hop. Oh, puis il y a une petite grotte. Qu'est-ce qui se passe? Alors que Yves s'approchait du coffre, une nuée de rats apparut, bien évidemment. Ah, puis en plus, ça me pop dessus. Oh. C'est quoi ça? Des chauves-souris. Ok, on se calme, on va les faire. Aïe, aïe, aïe. Oh non, 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 bah non. C'est quoi ça? Des zombies? Bah oui, pourquoi pas. C'est bon? C'est bon. Non mais oh. Oh. Ah, c'était pas les gamins là, c'était le grand-père qui a fini par péter un câble quand même. Hein. Hop, par contre, on va s'arrêter là pour la rediffusion. Voilà, comme ça je... tranquille. Du coup, bye bye la rediff.